Eh bien, yo les gens, c'est Meto Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les amis, on part en let's play Red Dead Redemption 2. Oui, on fait un let's play de ce jeu, les amis. Ça va être très très long. Mais moi, j'aime bien faire des courtes vidéos pour faire des let's play de jeux. Je trouve que c'est mieux pour découvrir les jeux. Du coup, là, on va partir dans un jeu Rockstar Game de Red Dead Redemption 2. Alors, ils ont déjà fait le 1, mais je ne l'ai pas. J'ai jamais joué. Et ils ont fait tous les GTA. Et GTA, j'aime bien aussi. Donc, on va découvrir Red Dead Redemption 2 ensemble, les amis. Et je pense que ce jeu, c'est une pépite. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs jeux que. C'est même le meilleur jeu que Rockstar Games a sorti au niveau graphisme et tout. Ensuite, alors, il va y avoir plusieurs épisodes de ce let's play. Aussi, dans ce jeu, il y a beaucoup de cinématiques. Il y a beaucoup, beaucoup de cinématiques. Il y a beaucoup, beaucoup de temps de jeu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je passe les cinématiques, s'il y en a trop pour vous. Bon, je vous laisse avec celle-là, celle du début, on la laisse quand même. Si j'ai pas dit, c'est un jeu avec des sous-titres. C'est des sous-titres, les phrases. Même l'Ouest avait été dompté. Voilà, la cinématique de début est un peu longue. Ça nous situe dans le temps à peu près pour savoir à quel moment du temps on est. Là, on va commencer le Rockstar Game. Là. On va commencer avec une petite mission simple. Voilà. Ça va pas être trop dur. Red Dead Redemption 2, voilà, ça c'est franchement il est super bien ce jeu. C'est vraiment un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué. Pas se mentir. On commence dans une tempête de neige du coup. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur! Any luck? Arthur, du coup, c'est notre personnage. C'est avec lui qu'on va jouer tout le long du jeu. Arthur Morgan. You know. An old man in town. Abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Du coup, on commence. On va bientôt commencer le chapitre 1. Je sais pas combien de chapitres dans le jeu. Mais là, on va commencer le chapitre 1 et déjà rien que le 1, ça va être très long à faire. Or, aussi, petit un truc, c'est la map, c'est. Voilà, chapitre 1, Colter. La map sera pas tout de suite en open world parce que c'est une map open world, mais elle le sera pas tout de suite parce que. Au début, on va faire toutes les missions qui nous apprennent à jouer. Gaskell, get that fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you were gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. This? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen.
Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. I loved Davey, Jenny, Sean, Mac. They may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it. Si j'ai pas dit un truc, je joue sur PS4. But, d'ailleurs, le jeu est tellement lourd qu'il y a deux CD. Le jeu, je crois qu'il fait... Attendez, je vais chercher le CD. Le jeu, il fait... J'attrape le CD. Il fait... C'est fou. 105 gigas minimum. Alors le jeu, je peux vous dire, il est hyper lourd. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet. So, they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Donc là, on va bientôt commencer à jouer, je pense. Avec notre cheval dans une tempête de neige. Alors là, utiliser pour suivre Dutch. Maintien croix pour accélérer avec le cheval. Enfin, ok, c'est bon. Contrôle n'a pas l'air trop dur. Et c'est parti, on y va. On commence ce let's play dans une tempête de neige. Rien que la neige, quand tu marches dedans avec le cheval, je trouve que c'est vraiment magnifique déjà. Rien que ça, c'est vraiment magnifique ce jeu, les amis, je trouve. Tapote pour accélérer, ok. Par contre, on voit pas grand chose. Hein. Il y a un pont, prudence. Ah, et après, ralentir avec R1, ok. On va ralentir, ok. On avance. Au début, ça peut être bien passionnant, mais après, on pourra faire ce qu'on veut. Du coup, on pourra avoir de l'action. Il va pas y avoir beaucoup d'action, je pense, au début. Alors, je pense qu'on va genre pendant une ou deux heures de jeu. Peut-être pas autant. On va genre apprendre à jouer. Parce qu'il y a beaucoup de contrôle vu que c'est une open world. Après, voilà. Par la Dutch. C'était un piège. Attends, il me parle. Je peux pas lui parler là. Merde, bon tant pis. Ah, petite cinématique. Il y a quelqu'un. Micah. Gentlemen. Found anything? Ah, c'est un de nos amis. Okay. Il y a une petite baraque, ok. A trouvé quelqu'un. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? He didn't make it. Et on y va. On va aller voir dans cette maison qu'est-ce qui se passe. Alors, maintien sur quoi pour caler à la lueur de Dutch. Bon, allez, vas-y, c'est mer. On va faire double tapoter croix pour accélérer. Alors, quand je vois la vitesse de mon cheval, quand j'y repense, le cheval, on peut en acheter des meilleurs à l'écurie. On va pouvoir en acheter des meilleurs. Et après, on pourra en capturer un, quand ce sera en open world, on peut capturer ou tuer des animaux légendaires. Il y a beaucoup d'animaux à tuer, plein d'animaux légendaires. On peut capturer un cheval légendaire, ce sera le cheval le plus rapide du jeu. Parce que là, notre cheval, c'est un cheval de base qui nous donne au début du jeu, qui est pas très rapide. Après, on peut l'améliorer si on veut.
permet un miracle. Tu es sûr de ton coup? Ah mais putain, je rentre dedans, je fais vraiment nul. S'il n'y a pas de route, ça, tu sais pas où c'est qu'il va ce con. Par là, ça va. Ce qui est bien, c'est qu'on peut intervertir avec les personnages là. C'est pas mal ça. On peut intervertir avec les personnages, demander qu'est-ce qui se passe. Bon, par contre, on peut pas leur demander ce qu'on veut. Mais on sait déjà bien de pouvoir leur parler. Moi, je trouve que c'est pas mal. Attends, y a pas un trou là? Non. J'ai l'impression qu'il y avait un trou. Ah si, y a un trou, j'avais pas rêvé. Ah, elle est là la maison. Ah ouais, elle est là. On va y aller. Ok, descendons. Ok, let's go. On va les suivre. Allez, un petit cheval. Ah oui. Oula. Alors vous voyez là en bas, le petit cœur, c'est mon niveau de santé. Alors le cœur. Le cœur à l'intérieur, un dessin de cœur qui est rempli, qui est pas rempli, qui est gris et blanc. Le blanc, c'est mon niveau de santé, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment pas beaucoup de santé. Et le blanc autour du cœur, c'est ma vitesse de rechargement de ma santé. Là, ma vitesse de rechargement est très faible. Maintenant, triangle, ok. On a déjà cheval. Voilà, c'est, je vous explique juste comment ça marche. Je sais pas si vous avez compris. Suivez Dutch. Ok, Dutch, il est où Dutch? Ça m'a suivi Dutch, mais il avance pas. Ok, c'est bon. Dutch avance. Hop, on arrive là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se cacher là-dedans. Ok, tu vas se cacher. Ah, dans l'abri, appuyez sur R1 pour vous mettre à couvert. R1. Se mettre à couvert, ok. R1. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, il va parler. Qu'est-ce qu'on doit refaire? Pour jeter un coup d'œil. Excuse-moi. Hello. Oh, hello, friend. What you want? I am very sorry. Jeter un coup d'œil. On jette pas des yeux, on jette juste un coup d'œil. Blague de merde. Orientez la caméra vers Mia. Arthur, on a un problème. Putain, il y a un cadavre. Tiens, protégez Dutch. Faut pas coûter les yeux de Dutch. Alors, L1. Pistolet. Hop, ok. On a un petit revolver. Pour faire quoi? Pour viser. Et après ça, pour tirer. On va bien mettre la tête. Putain, mais. Allez, ta mère. Ok, là on a engagé un fight. Mais... Ok, on va se mettre à couvert. Recharger rond. À couvert, à couvert. Ok, vas-y. Ok, lui est mort. Lui est mort. Recharger rond. Oh, il faut pas obligé de recharger parce que sinon, on va crever. On a plus. Ah si, il y en a un là. Ah, on voit les points rouges sur la carte, j'avais pas fait gaffe. Il est solide lui. Hop. Pour passer au-dessus de l'obstacle, ok. Tapoter pour sprinter, ok, c'est comme pour le cheval. Hop là, c'est bon. C'est comme pour le cheval. Tapoter pour courir, run. Non, run. Il est où Dutch? Il est là Dutch, ok. La Dutch ici. On va recharger. On va enlever notre pistolet, ok. Prendre notre point. On a un couteau aussi. On peut. Est-ce qu'on peut? Non, on va en passer maintenant. On va juste prendre notre notre point. Hop là. Alors, dans la maison,
Ok, il faut fouiller la maison. Alors là, j'ai l'impression que... Oh, il y a de la bouffe, ok. On va pouvoir prendre la bouffe et augmenter notre noyau de santé. Comme ça, vous pourrez comprendre mieux ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, vas-y. Prends... Oui, notre niveau de santé est vraiment faible. On voit un peu en rouge. On va tout ramasser et puis après, je vais vous montrer comment on fait. Alors, prendre... Attendez, on va juste tout ramasser. Toute la bouffe. Alors du coup, il faut appuyer sur flèche pour sa coche. Et après, on voit toute la bouffe qu'on a récupérée. Et on va pouvoir la prendre. Alors ce qui remonte le plus le cœur, c'est ça. On va le manger. Et voilà, notre cœur à l'intérieur augmente. Et du coup, après le rond, le rond blanc pourra être autour du cœur. Et quand il sera autour du cœur, et ben voilà. Du coup, notre vie remontera plus vite. On la perdra, mais elle remontera plus vite. Et puis à force de la perdre, notre niveau à laquelle ça remonte, ben ça remontera plus. En fait, il faut tout le temps en manger en quantité suffisante. Alors là, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Il va y avoir un truc. C'est quoi? Ça dirait du saucisson. Ok, viande salée, c'est du saucisson. Il n'y a pas des trucs là à prendre. Examiner, photo, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a? Prendre galette d'Awan. Pourquoi pas? On va pas courir dans la maison parce que là on a une démarche de merde. Okay. On va aller là. Et quoi là? Fouiller, pharmacie. Alors on va prendre tout ce qu'il y a là. Ah oui, là c'est des fortifiants. Alors genre c'est des sortes de... En fait c'est des médicaments quoi. C'est des médicaments qu'on va pouvoir prendre quand on se bat pour pouvoir être en meilleure forme et une échelle. Y a quoi ici? Y a galette d'avoine. Ah, des balles de revolver, ça c'est bien ça. Pour notre revolver justement. Parce que je crois que c'est un revolver qu'on a. Si j'ai pas de conneries. Hop, on descend. Et il faut aller suivre Dutch dehors, c'est ce qu'il avait écrit. Ouais, sors-toi de l'échelle, hop. On court. Il y a du sang, on s'en fout. Hop là. Et ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La grange, elle est où? Là-bas? Ok. Là-bas, il y a une grange, je vais la montrer. Ok, let's go. On va courir. On va prendre notre pistolet. Au cas où. Appuyez sur croix, flèche du bas, objectif en cours. Ok. Ouvrir la porte. Hop. Allez, tu l'ouvres. Ok, on a. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un cheval. Putain, il y a un mec qui me tombe dans la gueule. On a tué son cousin, mais il voulait nous tuer. Ok, attaquer avec des coups de poing. On l'a, on va le défoncer, je vous dis. Allez hop, ça dégage. Alors vas-y, tu fais toujours ton malin, ça la rend. Alors, interroger. Frapper. Ok, on frappe. On frappe. Allez, vas-y, frappe. Questionner, frapper, on s'en fout. On se fait que frapper, il répondra bien. Elle frappe, on frappe. On le frappe, on s'en fout. On est des gros bâtards. On le frappe, on continue. Allez. Fais ce que tu veux avec lui, d'accord. On frappe, on continue. Alors là, on peut choisir quoi? Étrangler, épargner. Bon, on va l'étrangler. Le mec a pas de nous sauter dessus, ce con. Et hop, voilà, ça dégage, il est mort. Hop, voilà. Récupérer notre chapeau. Attends. Prendre. Voilà. Non putain, qu'est-ce. Prendre. Putain, mais ça me met à couvert. C'est con cette merde. Putain. Alors, R1, prendre. Chapeau, prendre. Là. Je galère. Alors, cheval, apaiser. Il faut apaiser le cheval. Pour pas qu'on se fasse frapper. Caresser. On va le caresser. On le caresse. Allez, vas-y.
Ok, c'est bon, il caresse. Ouais, hop. Guider le cheval avec triangle. Et tu viens avec moi? Hop. Marche sur le méchant monsieur. Voilà, marche lui dessus. Bien fait, il est capable de me sauter dessus, ce con. Allez, viens. Ça fait un cheval en plus, ça fait toujours plaisir. C'est un beau cheval. Bah oui, il est joli. Ok, on va l'attacher. Zibidi. Je vais l'attacher où? Ok, on s'en fout, on le met là, on l'attache pas. Putain, il y a quelqu'un encore? Putain, il y a une cinématique. Putain, mais une fille? Elle sort d'où elle? Elle balance des bouteilles et tout. Elle a fumé? Mais qu'est-ce qu'elle fout elle? Qu'est-ce qu'il fout putain? It is gonna be okay. We mean you no harm. Miss. Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. Come on. Oh. You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. Du coup, on a sauvé une femme. On ne sait pas ce que c'est fait. Adler, elle s'appelle Adler. Ah oh, merde, c'est mort. Bon bah tant pis. Hein. Mais je sais pas si c'est celui qu'on a tué ou si c'est... Enfin je sais pas. Ok. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il veut nous tirer dessus? Ah ben c'est bon. Micah found a homestead, but we weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there. But there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing you need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food. And this couverture. Mais c'est pour la femme là. Okay. And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Okay. I need some rest. I haven't slept in 3 days. Okay, on va dormir du coup. You're over here. Je pense. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Okay, notre chambre elle est là-bas. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Alors, on va se coucher. On va dormir. Petit écran noir. Ah, sauvegarde auto. Ben ouais, on va faire une petite sauvegarde auto. Hop, écrasé. Hop, du coup moi je pense qu'on va se réveiller dans la maison, maintenant c'est le jour. Hop, voilà, on se réveille. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry. I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John est moche. Fine. Elle est très moche. I mean,
He may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, he'd look for me. Thank you. Du coup, on va aller faire un truc pour la meuf, mais je sais même pas ce que c'est. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Ok, du coup, là, on va partir encore en mission. Mais on va pas la faire, on va s'arrêter là, les amis. On fera la même petite mission dans le prochain let's play. Attendre la cinématique, puis on va s'arrêter. Toujours aussi magnifique, je trouve. C'est des décors, vraiment. La cascade et tout. La fumée. Ok. Ok, on va aller voir. Quelqu'un qui est parti récemment. Là-bas. Ok. Bon bah, on va descendre notre cheval juste. Est-ce qu'on peut juste aller examiner. Bon, du coup, les amis, on va s'arrêter là pour ce let's play. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, salut !